Donc, on vous a réunis ce soir pour vous annoncer... On divorce. Pardon ? On divorce. Mais qui ça, on ? On, bah lui, enfin moi, elle, moi, nous, ton père, ta mère. C'est une blague. Réussi. Je comprends pas. Qui part, alors ? Moi. Et qui veut la garde des enfants ? Lui. Je comprends pas. Soit vous vous mettez d'accord sur vos désaccords, soit ça sera aux enfants de décider. Quoi ? Maman, elle m'a dit hier qu'à ma place, elle irait vivre avec toi, papa. On est toujours en empathie avec eux. Parce que ça devient, au bout d'un moment, ça devient quelque chose qui contrôle plus, ça devient... Et c'est très fort dans l'écriture et la réalisation, c'est que, justement, on est tout le temps de leur côté. Donc, s'ils étaient devenus antipathiques, ça marcherait plus, ce serait plus drôle. Alissa ? Papa, il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider. T'as dit ça ? Ah non, j'ai pas dit ça. C'est ça que tu veux ? Tu veux la guerre ? Non, apparemment, c'est toi qui veux la guerre. Ah, moi, je veux la guerre. Ah, tu veux la guerre ? Ah oui, je veux la guerre. Ah, donc tu veux la guerre ? Absolument. Ah, oui, c'était un vrai plaisir. J'étais content tous les matins de retrouver Marina sur le plateau. Et je... Ouais, c'était un vrai bonheur. Ouais. On se connaît depuis très longtemps. Je crois qu'on est assez clients l'un de l'autre. Parce qu'on se voit beaucoup dans la vie, on rit beaucoup dans la vie. Que je ne peux pas me retenir. Si c'est drôle, je ris. Drôle, ouais. Ah, je tiens pas du tout, moi. Tu fais gaffe, hein ? Oh, chouchotte. On a des cours, hein ? Putain, mais qu'est-ce que t'as fait ? Non, c'est bien, c'est... C'est trop court. Non, mais ça... Oui, mais ça allège. À moins de 2 mètres, ça fait mal. Mais papa ! À moins d'un mètre, oui, ça fait très mal. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Oh, bah, moi, à leur place, je choisirais moi. Mais, je sais pas, objectivement. Si je devais aujourd'hui vivre avec quelqu'un ou me faire adopter, ce serait par Laurent Lafitte, sûrement. Ah, voilà. Bah oui. Merci. Donc, papa va prendre un appartement juste à côté de chez maman. Bienvenue chez nous ! C'est un cauchemar. Qui t'attend ? Viens me gifler, là ! Eh ben, ça t'en fera deux ! Moi, je sais plus. Merde, attends. Ah si, moi, oui, toi, non ? Non, je sais plus. Ah oui, non, moi... Vous trompez moi, tout j'en temps. Ai deux, 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 deux. Toi, t'en as deux. Trois, moi, j'en ai pas, alors. Oh, si t'en as deux, j'en ai pas, parce que j'avais... J'en ai deux, ah oui. J'avais compté deux en tout. Donc, si les deux sont à toi, j'en ai pas. J'en ai deux. Tu m'aimes ? Quoi ? Putain ! On leur demande de choisir entre leur père et leur mère, c'est pas compliqué quand même. Ouais, t'as raison, ils abusent.